Il y a Mouta Simba Kamera, Jerry Ambokaza na réalisation, il y a rendez-vous des auditeurs, Aleka Bongo na supervision technique, Ndeko Christian Banjolo na régie TV, José Andia Simi Bongo web, hein, à côté internet, kuna, pour nous permettre Bolanda Bisso, le directeur technique, et puis Ndeko Onésime P. Stéphane Bazakuna na régie, il y a radio, sans oublier Ndeko Nabiso, Bonheur Zinga, Azapewana na Katia supervision côté à radio. Merci beaucoup, ça c'est la grande équipe, Majuti, Mazara, Yazami Kuna na logistique. Jacques Wandinga Boazou, Yazana Régie d'antenne. Voilà, équipe Oyozo Kotenir Bino, compagnie, Nanzela, il y a rendez-vous des auditeurs chaque jour dans la Kawana pour nous conserver Bino. Masolo na tongola lelo ezali masolo ya politique. Ezali o Itali ba pétition initiée contre le bureau d'âge, ba trois membres ya bureau d'âge. Tokolo bela yango surtout sur le bien les fondements juridiques, est-ce que ezana base juridique toté et quoi aboutir na nini tokomeka ko ko solo na kati émission ko lelo. Pétition ezaka na assemblée nationale té pétition pe ezako visé président ya Sénat déjà. D'après le sénateur Moroto a confirmé qu'il y a information et pas d'abisso, j'ai tout mis dans cela, il y a politique rdc.net, honorable sénateur Valentin Guérango venait à confirmer l'information, 70 signatures, ils ont déjà collecté à nouveau au Sénat pour faire partir le président Alexis Thambwe Mwamba. Titre décabilisation institutionnelle, le départ de Thambwe Mwamba, c'est donc plus une évidence, et comme moi qui n'a pas de média. Alors, nous avons trois invités, deux, si vous avez dit, Maître Bazin Pembe Mbote. Mbote, de ko Jameda Lioso, Mbote Naba Kongomani, Bipaï Bazali, Bakolanda Biso Natongwa. Merci. Merci. Yozali, coordonnateur, il y a dynamique des changements, c'est maintenant, P et cadre AFDCA, où il y a professeur Modeste Bahati. Ndeko Jeff Kankou, communicateur ya Nojek, FCC, ouais. Maître Mbote. Mbote na ndeko Jameda, natondi bolani malamu émission na ba imboka nyonso ba kolanda biso partout ba koyoka biso, natondi libango pe poso elamu parce que tout monde ki na debi a poso te nzamba sunga mboka etambola malamu. Amen. Ndeko Jeff Kankou, mubinga mbisa te ekozala. Maître Fabrice Pelende, comme il a noté, j'espère qu'il y a ça, Koya déjà. Alors, si j'ai un abisso, on a tout le monde qui a pétition, tout le monde qui a fermeture, il y a marché central, ce que temps est permettre. Lettre wana ils ont déjà au ministre provincial intérieur a signé en exécution, il y a arrêté signé par le gouverneur de la ville pour fermer marché central. Officiellement pour l'Italie, assainissement, parce que Bosoto et Komikuna Makasi, danger pour la choléra, pour l'épidémie, pour la passe. Alors, il fallait être comme un état pour pas fermer, parce qu'à l'époque, déjà, conflit à la qui, fermeture ou non fermeture entre le gouverneur de la ville et le VPM, vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, les lots, décision, puis ça, il y a un peu de temps, donc le émission. Maître Jeff Kankou, très rapidement pour un sujet particulier. Merci beaucoup pour le moment où on a l'ingrédient parce que dans le moment il faut tout communiquer pour social na kati ya peuple na biso. Tout à fait. Na ekolo bela mingi mingi nzela ya route elengesa. Elengesa et si la ki etikali moi parti moko kota likolo kuna il fallait ba acheminer ba travaux nango mais jusqu'à présent ils ont tardé encore. Ba travaux na bana mboka bazo zelango po désenclaver côté wana po na bandeko bazo buta côté à rompoinga babaza na facilité à komima côté lengé sa poba et ba ke librement na ba occupation na bango et deuxièmement na kolobe susu nzela o etali kimwenza na niveau ya kapé la na chaussée wana bébé makasi gouverneur de la ville Gentil Ngobila na mona ko kenda kimo kali pona kota la côté wana pe banteleza ko beba na zo senga na yo o kitapé na kapé la na niveau ya kimwenza nzela bébé makasi na mbole n'en parlons pas ko kené na ezo n'en parlons pas donc route na biso ya kimwenza est commis vraiment impraticable soko ko ko sala descente moko wana pona ko lancer ba travaux et ko sala vraiment quelque chose de ko aider population na biso vraiment na nzela wana troisièmement plutôt na kolobela na makambo tali bosoto ki jase comme na bosoto mingi et comme na bosoto mingi on dirait bato ba bandaki bazaki motivé pona kimbo peto batiki ko sala yango et ko sala
mingi ko relancer batwana pona ba mukande ni na ko nettoyer Kinshasa ba grand acteur moni ba poubelle et tondi bozai ba initiative a malam ya ko tia ba poubelle mais bozo ba bazo dégager ba caniveau bazo ko kiwa zo ni makaka wana bazo tia ça fait une semaine deux semaines trois semaines après on boule bete zo ni suna kati zo nga kana kati donc bozo sala musala vraiment bien tendé ko gentilingo bilambaka relance toi na kin bopeto ko évacuer ba poubelle au déjà tondi soko moni ba poubelle surtout au sept Congo et Tchakiwana, nous sommes tous les poubelles et cédés dans les cédés dans les bendés. Et ça, vraiment, madame Mingite, vous avez bien, mais vous appliquez quand vous surveillez en haut. Moi, suivez à la peau pour permettre que Kinshasa n'a pas environnement n'a pas et vivre bien. Donc, c'est là qui m'a dit, c'est là qui m'a dit, Gentilingo Bila, balez à la canaille. Merci, maître Jeff Kankou. J'espère que Gentilingo Bila, il y a la fois passée que vous visitez, ou tu vas bien, Joku, Kuna Nakima Seke, c'est là où on a vraiment l'importance. Makasi, ils ont même été cités, cardinal. Et Tchaou, projet Moko Malamu, projet Moko très important pour le développement à Kinshasa, projet Oyoza piloté par l'abbé Bagaza, je crois que le comité Moko stratégique est allé mis en place, dirigé par le sénateur Valentin Guerengo, pour nous booster, Batoubaya, continuer à demander pour Konzi, Moutinamoto, à respecter le contrat, à part Naye, à responsabilité à Zouaki, pour nous réaliser le projet Wana, aux envisager Koutonga Bandaku, aux Yéi, aux souscrits, aux Ofuta Moko, pour nous faire ça, au bout. À une certaine période où je vis une d'accord et topé bakotonga un supermarché parce que le belé pour que ça fasse des enclaves en fait ce côté là mais il faut zela wana route joku batonga yango et que ça très bien parmi les projets les plus importants et que vous avez un impact visible pour la social il y a population j'espère que Gentilingo Bila avec l'équipe beaucoup banda misala wana très rapidement pour etinda batopé no kiba kene ko investir ko tokona tous a toujours concentré côté à centre de Zamala Mutendeko Bazin Pembe très rapidement aux appels. 1 minute 30 secondes pour un sujet particulier. Merci beaucoup, Ndeko. Jean Meda, dans un sujet moro particulier, où est allé le phénomène Miro D, où est-ce que nous avons avec force dans la ville de Kinshasa, nous avons lancé un message dans le général Kasongo, pour cause de la zone où la population a apprécié pour la diminution de la colonne dans la ville de Kinshasa. Mais quel phénomène que nous avons risqué de créer dans la ville de Kinshasa au Tobengi Biro D. Et aller na Rompwengaba, et aller na Victoire, et aller na Ipen, et aller na Soussou, na Nzela, ou et aller comme Mavère aéroport. Bazali na bazali na kumoko na bazali ko prétendre ko zala ba bureau 2 bazali na ba ordre de mission moko ya ba 2005 ba 2004 2003 ba kangio et puis bana système moko soki ya ba Motorola soki ba ngiba intimidé ba kufungwela yo loko ani ba do la cro bana moko soko yo kibongo paniquer et loko ani bosu ba kangio bazali na ba kraka abimise yo kaka bomba la moko atio kaka na loboko ali toke biro tant vous avez composé na ibo ke ni biro wana kaye moko oka na nzela solo la a okomisa yo biro te biso oza na malet surtout bazali ko traquer ba villageois o ba ko uta Congo central o ba ko uta Kikwit ba ko uta ba Chikapa bazali ko ya na ville ya Kinshasa et puis bazali ko uta pe na ba po tant ba moni oko za salité wana malet na wana sima moni te oyo a yuma. Na kati ya malete wana ana mbongo meke na kati singeli kukanga ye kukose la hibu loko biba kukene tiyo de la kutuna wala kisa telefon na yo verye telefon totala ba imajwe za na kati donc c'est donc inacceptable general Kasongo singeli ata la batu na ye wana nazali ko ye bisa hili su ya certain biro de bazali ko tambo na ba voiture ya ba ketch bazali ko landa ba personnel ebele donc sa motif wala bo mouni ba landi yo bo ba kangi yo comment traquer ou stresser on a tombé dans la donc faut commissaire divisionnaire commandant à ville Kasongo a déployé l'équipe naïe surtout sur la zone va monter sur la ébi bureau de voilà pas déployé l'équipe n'a pas place au tangi notamment bateau bazou tamboka groupe ngaba naïe en parce qu'à l'époque 2007 on a victime place voilà toujours ma table université bureau de voilà bagnon la biso on y a même 5 dollars à l'époque parce que voilà on comprend un peu comment va opérer oui, alors très rapidement tout avancer très rapidement pour nous avancer c'était un moyen pour nous dénoncer les restes je pense que nous allons parler des temps que nous allons évoluer dans la 4e mission. Merci beaucoup maître Bazer Pembe.
Maître Fabrice Pelende, à Outiko Côté Nabissona Lolaka, à Radio Liberté Kinshasa, à CCTV. Maître Fabrice Mbote. Mbote Ndebo Jameda. Très rapidement, tu as commis le retard, mais on a déjà étapé il y a deux minutes, mais on a inutile. En tout cas, beaucoup d'excuses pour le retard de mon lobby, puisque vous avez pu faire la tractation liée à l'émission, nous avons passé, Tongo Makasi, donc, mais nous sommes quand même là pour servir toujours la population Nabisso. Au regard, il y a mangé, excusez politique, ils ont lié à Mboka Nabisso. Mais pour un sujet particulier, je pense que nous avons relevé la plus sur le volet éducationnel, puisque il y a un grand danger qui court à venir à Bana Nabisso. Bien entendu, tous les gens ont date, ils ont la fixer, ils ont la cohérente. Mais le fond, c'est que tout à l'heure, nous avons passé. Et ça, ce sont des conséquences qu'on ne pourra peut-être jamais récupérer dans la vie na bango. Qu'on faire manquer éducation dans l'année de la primaire, phase de la rapoye, comment, qu'on tanga. Mais c'est lucratif, c'est l'avenir qui est sacrifié. Et au regard de tout ça, on voit un docteur Mouyembe qui conduit le chef de l'État et un ministre, il y a EPSP en erreur, puisque cette responsabilité sera portée par qui? Puisque l'élo Oyo, qu'on se le dise, il y a des phases d'éducation, il y a bana Oyo, tout coquille qu'on récupère. Même dans la place, la zone qui est décision en Europe, les enfants étudient. Je pense qu'on peut tout faire sauf sacrifier les lendemains et l'avenir de nos enfants. Puisque les gens ont un cours, Moussousou, par exemple, mais mon enfant me dit qu'un cours, depuis qu'ils ont commencé à étudier, ça fait quand même mal, jamais d'art. Aujourd'hui, dans la condition, il y a des problèmes liés à nous, dans la situation où il y a ma paye, il y a mon enseignant, tout ça, ils ont impacté sur la maternité. Et puis, base sous ce temps moulaï pour la maladie à coronavirus, on ne sent pas l'impact direct. Donc je pense que c'est un secteur. Il faut par exemple le gouvernement a autorisé reprise de l'activité, mais pas renforcer ma mesure. Mais oui, on peut observer les gestes. Il faut impérativement baser la classe. Je pense que c'est la responsabilité à parents. Et le docteur Mouyembe Ayebaki, il ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants pour avoir un terrain où nous on ne comprend pas. Parce qu'en réalité, ce sont toujours là dans ma mango et c'est un business. Ça commence à se voir là-bas. On a vu son argent. Mouyembe, ça a une proposition. Autorité n'est pas sur la décision. À propos d'Aka, on n'est pas sur la décision. Mais justement, à cause de la mauvaise proposition, et un but de l'autorité, l'erreur, je ne pense pas que le privé éducation à Bana, au mécanisme de récupération, et puis ceux qui auront perdu, comment ils vont récupérer ça? Tout ça, c'est difficile. Il y a une équipe, colline inspirée. Plusieurs fois, un rendez-vous des auditeurs pour qu'ils revendiquent ma communauté reprise de l'activité académique. Beaucoup de suspendants depuis le long de la Mouana et Tilé, on ne comprend plus rien. Zatana perspective Mouézate pour la reprise de l'activité académique. Je pense que l'autorité, un bon gouvernement, président de la République, soit que ça a quelque chose que vous allez appeler Malam Nakutuana. Pour notre clôturer ce sujet particulier, je pense que nous avons des problèmes sérieux dans ces pays. Tout ça a quand même un mot conséquent pour voir l'avenir. L'éducation, on ne peut pas remplacer l'éducation. Ils en ont fait une éducation peut-être. Au-delà de toutes ces mesures qui s'imposent au regard du coronavirus, ne contribuent à rien à la protection, à l'émancipation et à la société. Je pense que la mesure, il faut revoir tout ça. L'économie est un mal. Amener les mesures qui n'aident pas la population, mais qui contraignent la population dans une souffrance atroce, c'est merci. Ce n'est pas aimer son peuple. Merci. Je pense qu'il ne faut pas revoir ma décision. On n'est pas impacté suffisamment. Attention, pour aimer son peuple, c'est aussi qu'on protège. Non. Tant la loi qu'on l'écosso, que le danger Zoya, et qu'on a la mabé, les lots, mais il faut que ça la projection, qu'il faut la protéger la population. Mais il faut protéger aussi la majorité. Oui, oui. On protège la minorité. C'est aussi aimer le peuple. Également garantir la société de la majorité. Pas alléger en haut. Pour qu'ils aient la chose, ma casse de mini à Batoumé. Tout à fait. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes perdants. Pour protéger la population, pour protéger les seigneurs. Quand on est en prison, on est là, on est sur Barnabé, Miringaño, Azakuna, tout le monde est auditeur, quand on est sur la télévision, on est réclamé, on a émission rendez-vous des auditeurs. En tout cas, le dossier n'a pas vu qu'ils ont appel. Ce qui va faire ça, moi, à l'échemin, on est là, on est sur Barnabé, on est en prison centrale à Makala, on est appelé, on est sur Pissungoy, on est sur Azakuna, ils ont établi la vie. Bosamba, j'espère qu'avec le temps, beaucoup de solutions.
Alors, tu continues à siger la biseau ya Mukolo. Rapidement, on tourne dans le marché central, comme ça, toujours dans le politique. Ndeko Bazin Pembe, coordonnateur dynamique des changements, c'est maintenant cadre FDC allié à marché central, finalement, après tractation, après controverse, après contre-décision, vice-premier ministre intérieur a empêché, gouverneur a limité, et ainsi de suite. Si quoi, finalement, apparemment, on va se mettre d'accord. Gouverneur a dû arrêter, ministre provincial a dû exécuter, dans le marché central. Si le 20, l'activité au salaire m'a soutenu, on n'a pas basé l'assainissement. Officiellement, c'est ça le motif. Merci beaucoup de vous dire. Une décision, finalement. Na kozala na conseil moko vraiment un peu tranchant et kozala makasi batuba ndima yango nenge bakozwango. Pourquoi? Parce que makambo marché central to lobela ki yango ebele que fermeture ezala ki malonga te kozala yango brusquement parce que majorité ya économie na biso ya kati ya mboka e utakande na zando ba mame ebele bakolongwa mikondo kingasani sele même maluku bazali koya koteka na grand marché parce que ne place ba activité ezalaka mwa ebele. Mais il y a un problème dans les chefs ya ba kinoa et ali batwa Congo central te gomate de kinoa. Moi je vais parler de kinoa mutu makasi na biso ya monde pe et comme on met la biso biloko mosusu ngobi la vue décision à kanga marché central. Yambalao toto ça y est. Pourquoi? Ce n'est pas Ngobilande à cause de typhoïde. Ngobilande à cause de malaria. Ngobilande à cause de coronavirus. Ngobilande à cause de l'infecté. Na bosoto. Oyo ezali lelo na zando. Ngobilande a ya kote ka na zando te. Et a yende bino batu bakuna. De bino batu bote kaka. Mais na komo na salite. Oyo ezali kuna. Je vous dis. Soit que le bon nom, là tu as l'issue batouté. Moi je suis d'accord que Ngobila a kanga cette fois-ci, n'a ressoutenu peuple batoisan de thé, n'a ressoutenu Jantini Ngobila. Parce que Bosoto, n'a monikuna de Kujameda, c'est inconcevable. N'a reçoit pas de responsabilité, n'a tchamouna mouton Ngobila. Même à côté de Nazandu Kuna, mon conzi administrateur Yazandu, c'est un monsieur qu'il faut chasser. Ngobila, c'est né là de Ganaïe. Yena batoko soane ba ko kangazando asispa mbe administrateur ya mwenzwana bosoto oyezali kuna bato bazali koteka pemeni ya permettez-moi l'expression ya pemeni ya yeyi pemeni ya masuba pemeni ya somo inene somo inene c'est inconcevable na mboka bi ba koteka biloko nini leti ba gombo ba bitepu donc et si bato bazali koya ba ko somba c'est vraiment grave. Moi je suis d'accord que Ngobila akanga zambo wana pona ba réhabilitant mais a une seule chose c'est que la paix ça biso délai oyo ba travaux et que ça le mapone que population a se sécurité. Merci maître Bazette. Allez localiser bato nyonso wana na tumwa ba wenze oyo bati ata sur ba se confiner mais ba te ka na ba condition. Merci d'attendre d'ailleurs communiquer oyo ministre provincial à Komaki to retrouver on ba réseaux sociaux. En exécution de l'arrêté numéro du 11 janvier 2021 de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa portant fermeture du marché central de Kinshasa et relocalisation temporaire de ces structures, il est porté à la connaissance de la population kinoise qui est pour des raisons d'assainissement et de réhabilitation le marché central de Kinshasa est fermé au public jusqu'à l'achèvement des 10 travaux. En attendant sa réouverture, il est demandé aux vendeurs d'occuper les étalages des marchés provisoires, dont 24 novembre, Itaga, Kabinda et Kalembelembe. Le délai de délocalisation court jusqu'au 20 janvier 2021. Les agents commis à son administration sont chargés de la stricte observance de cette mesure. Vous allez communiquer signé par le ministre provincial. Mais est-ce que à l'époque, déjà tant que gouverneur, on a eu le Mamakamboya, au Kanga marché pour la réhabilitation, sans mettre dans le contrat, c'est peut-être la démarche à santé, ou à l'époque, on a eu le non, bon, on a coopéré certainement, on a eu accusé, on a autorité dans le nouveau gouvernement central, précisément ministère et intérieur, tout le monde a eu l'auto avancé. Est-ce qu'il fallait attendre? Et comme la salité, ma casse, danger même pour la santé publique, pour finalement pas se mettre d'accord pour la fermeture, maître Jeff Kanko. Ok, merci beaucoup pour la moutouna ou telle fermeture et marché central Zando. Na signe n'a pas imbo kalion sobate kakana Zando yamunene, ba zalaba responsable.
dernièrement mon azaki na zando na ba période a fait toyo ndeko jameda kota la zando lolenge zali sanité lolenge ni bandindi ezali lolenge kani batu bazali koteka pembe na mosoto na ebite aye koteka ou bien ayeko sa maladie. Je crois que la responsabilité est vraiment d'une manière aussi partagée entre le gouverneur de la ville et l'administrateur à Zandou. Au bien à Zandou, on a dit que ma maman a été fait la taxe, qui est cause de la 5 taxes dans le jour. Donc, comme on a dit que ma maman a fait la taxe sur 5 tickets. A kofuta ba policier, a kofuta tike ya songolo, tike ya boye, o tike ya boye, ya hygiène, tike ya assainissement, mais okomuna ba tike nyonso wana eko ezo apporté et logoté na kati ya Zando. Je crois ezalaka na ba grande ville nyonso na marché munene lokola pe Zando partout dans le monde ezalaka, mais ba marché wana bazwaka soin na yango. Je crois que ça la misala wana vraiment po na ngai ezali vraiment utile po esunga ba ndeko po débattre kana ba condition ya malamu. Mais ce que na motuna na otuninga soki ba okela kinde ko chantiningo bila na tango wana senga ki ba kanga marché na période de confinement o ba toza ki confiné et ça ki malam. Mais to mona ki mokonzi ya ministre ya ya intérieur Gilbert Kakonde abwe ki nini wana et ça ki mwa mutu mutu ka songoya ki apanzi. Donc c'était vraiment un peu déplorable na côté ya ba konzi boka parce que il fallait base la na décision mokoza consensuelle ba yo kanike pour na intérêt ya boka pe pour na intérêt ya peuple na biso il faut battre kan environnement mokoza c'est na kanis même constitution boka na biso lobi ke congolais non sans na droit à profiter na environnement moko ezali bien assaini profitable pour épais ça est maladité et na singi na bakonzi ya mboka oyo bazali basu décision na kobongisa certainement ce que zali na likanisio na balobi basala yango to yebi mboka na biso za so balobi de leza ya 1 mois to komona to komi 2 mois 2 ans 3 ans ndenge ça mi pe pour la basse de mouton. Maître Fabrice Pelende, le vrai problème balobi bon c'est vrai ba évoquer on a carte communiquer pour assainissement assainissement oui balobi zone de commune na bosoto moko ya kolobate za même risque ya ko créer même ba épidémie ya choléra notamment c'est cela peut-être oyo motivé que rapidement ministre ya vice premier ministre intérieur a cédé a accepté finalement que gouverneur kanga marché il fallait comme un état pour kondima ou bien déjà à l'époque ce kanga ki malgré controverse ala ki entre gestion si a tiré ba contrat mais soba yo kana ki tenga to avancer non de ko Fabrice Pelende balobaka qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Moi je pense que le problème à celta zan de bandi le loté c'est un bien-être social, mais la procédure pour le faire, c'est ça le problème. Et le moment pour le faire, c'est ça le problème. Tout bas que sa souffrance, t'es dans souffrance, ça peut plus déjà. Je pense que ma belle autorité n'a biso va sacrifier à peuple pour n'avoir intérêt moro lié n'a battu n'a bango particulièrement. Puisque surtout l'année procédure, maître à juriste, alors on sait très bien que projet n'est pas c'est un projet de grande envergure. Où est-ce dans le domaine lié à la province, à Kinshasa. Ce sont des débats comme ça qui doivent, ce sont des matières comme ça qui doivent faire l'objet d'un débat dans le Parlement. Ça n'a jamais été dans le Parlement provincial, bien entendu, une assemblée provinciale, pour nous élucider clairement comment faisabilité dans le salama, les délais et pourquoi la pertinence d'un moment où. Mais l'application VPM, vous dites que c'est un domaine réservé à la ville à Kinshasa, province, compétence à la province, mais qu'il y a commis. Émission, c'est-à-dire incompatibilité ma compétence, il y a une irresponsabilité à classe politique, puisque nous avons le marché central et un projet de grande envergure. Il faut dire que l'objet de couler dans le programme et l'assemblée provinciale, autour de mode d'exécution. C'est pour protéger et garantir la faisabilité et la réflexion à Zandou, puisque Gentini lui-même a une compétence directe sans qu'il bénéficie de la bénédiction du Parlement pour la réflexion. Faire Zando. Au-delà de ça, il y a les sociales ndeko jameda. Mettre la population en difficulté sous prétexte que bongisa. Il faut toujours qu'il y ait des mesures palliatives. Je pense que le problème à Zando est bandi l'éloté. Bato ba le baba bongisa wana ne ne walobi to yebinde ba makama onenge kendaka. Boko frene ba tunanda ko un mois de bolobi to se retrouver une année même pour tous un exemple parce que les moutons. C'était pour 100 jours. Donc il y a 200 jours. Vous supposez que de moutons sur votre banane au TK puisqu'il y a un oublié va créer quand même un marché secondaire. Non mais c'est incompatible. Comment ça va être, comment ça va être, il y a TK pour toi là tout ça.
il y a plus de 50 000 familles vivant wana. C'est une grande couche de la population. Oyo, et si on vivra à peine à marché wana. Et marché wana te vit qui contribue à la nabisonia, so baïm baï, baï qui n'a plus que ressources principales à la barre alimentaire. Selon nous, on n'a pas pris à bien. Zazando, tout le monde a confirmé qu'il y avait certains produits qui disparaissaient dans le marché. Wana, on en a été. Alors, l'occurrence, il y a un peu de temps de baser sur la zone à barre à Miké. Il y a un peu de temps. Alors, tout ça, ma vie, on a mis au sort. Et c'est là que carence au l'état pour pas trouver solution. Alors tout qui est d'emblée dans le projet mon côté oyo tous une nouvelle solution palliative tout que nous kangazando. C'est quand même un secteur économique majeur, il y a économie à Kinshasa. Donc je pense qu'il faudrait bien réfléchir au projet wana. Nous en nous bangomoro bazolo ba sur le plan social et sur le plan politique, il y a encore beaucoup de problèmes aux sénateurs résoudre. Alors surtout plutôt que nous à cheval na bonjour, ça risque d'énerver la population pour rien. Bonjour Jumel, ce qui bozali koloba makambo ya zandu bo miti akana place ya ba commerçant. Vraiment. Nini kaka zandu est-ce que na Kinshasa wenze ya salité ezali kaka zandu te bo kote la ngobila te. Vraiment. Aboya kolongola salité na zandu po azwa raison azali na contrat et si azwa nde azali kosala ba manœuvre wana, ba manœuvre wana. Ngobila est un gouverneur très méchant. Ça c'est un anonyme, un commis. Alors, ceux qui te comptent en détail, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que tout ça là, plusieurs émissions autour, il y a sujet, il y a marché central. Mais je crois peut-être prochainement, tu vas nous sous moi, Mingi. Tu sais dans cette histoire, c'est une étoile. Pour le marché, par moment, tant que gouverneur a déjà décidé de bosser pour suspendre le marché, tant que ministre intérieur, vice-premier ministre, ministre intérieur a s'opposé à la décision, le gouvernement provincial a se désengagé. A vivre au cours de la bise de Vito Kanga. Et que l'autorité du gouvernement central va limiter qu'on continue l'ouverture, mais surtout qu'il y a moins la charge. Responsabilité, c'est pourquoi cette période-là, c'est pour répondre à cet ami plutôt contre mais côté de la vadoté. Nous avons décrié le comportement de Kankonde. Et c'est là qu'il y a une décentralisation, il y a un territoire, il y a une entité territoriale décentralisée dans le cadre de la Kanabiso. Quand on a la compétence, c'était, on peut faire une injonction pour la Kangazano. Non, on doit être correct. On doit être correct vis-à-vis de l'unité de la vis-à-vis de Biloko Toulosala. Dans l'état, quand on est à mal agir, ce qui va dire qu'à Ngobila, a continué à travailler à Zambo. Mais les autres, ils ont évalué Ngobila. Mais ça, ils ont avancé. Donc, donnons l'état à Ngobila. Tout ça, ils ont soutenu l'été. Mais ils ont soutenu l'été à la vigilance. Première confiance, c'est vrai que. Il faut que le peuple, mais il faut que le peuple vérité que et l'okoyo, c'est vrai que les lois soient privées pour l'Union Colayo, mais avec l'État, ça peut être. Rien de quoi Fabrice. Non, mais il y a un confrère Nana Souka Nana Lobi. Fabrice, merci beaucoup. Que intérêt d'abord, il y a peuple Nabisso. Oui. Azan a raison. Mais tu as dit que le peuple a mis en condition de la loulingue et de la loulingue. C'est l'image vraie de Zando. Zabo Kassa Zando qui t'a kakanassé au commun avec moto a poussé poubelle pémène, foule pémène, a zu bilo kwa sa nini ache. Bilo kwa mopeni na zote, sa bernier, ba quiz, ba bilo kwa moko, eko facilite mouto ala ngo sur place ou bien la moto kanaye. Me bandi ndi eko, pe a expose ango, a fini kite a tabino moko, ba neko nangato zarabato. To pe sango bi la chance, me o biso to kote le mene ko zaranini, a sengi dele a un mois, pour na babo mbisa zango. Mais elle dépassait-il. Et comme alors, la sonde est de l'autre côté. C'est un évité à mon d'après mes informations. Et selon ma travaux, Et qu'on s'en a deux mois, selon l'information, on a dit qu'on s'en a deux mois pour n'avoir assainir Zando. Juste les années, que l'on a salité. La salité va permettre que ma foule, parce que les gens ont foule, les gens ont besoin de salaire. Dégager salité, que ça la réhabilitation. Non, que l'on a salité, réhabilitation, les années. Juste que bon, ça va peintir, mais ça va, je crois pas, ils ont besoin de projet, il y a qui n'a pas de bouca, pour ton avis. Non. On va passer à l'autre sujet. Mais il y a un sujet. Deux fois. Bonjour, mon frère Jumel. C'est Japhet Mwimba. Je suis étudiant à l'Institut supérieur de sciences de la santé de la Croix-Rouge.
on nous a délibéré, mais ça reste la défense. Cherchez aussi à parler de nous, car vous parlez sur seulement de l'Unikin. Naibi, oui, oui, c'est un peu partout. Hein. On parle l'université, on parle un peu partout. Bon, on parle l'Unikin, c'est comme c'est un peu les reflets à Moka. Voilà. Alors, Toké Makambo, il y a un deuxième sujet, là, rapidement. Moutakoubandazaline de Fabrice Pelinde. Tout à fait. Pétition déposée contre le bureau provisoire, et assemblée, bureau d'âge et assemblée nationale. Occupé réplique, il y a bureau d'âge, Valobi, nulle part, démarche, Wana, ils allaient prévu, dans le cadre de règlement intérieur, il va répondre, il va zapper au courant, il y a Nina Moté, parce qu'il va recevoir la Moté, mais dans le cadre de pétitionnaire, Valobi, va déposer qu'il y a un bon uniforme, il va accuser bureau d'âge, il va cambébélé, notamment pour outrepasser la mission légalement réglementaire pour la Bango, pour qu'il y ait un petit côté contrôle parlementaire, il va accuser le bureau de gestion, pour privé, il va prise de parole. Depuis, Mme Moussa Latilelo, beaucoup de griefs. C'est quoi l'analyse autour de la démarche? Merci encore, Jean-Médard, pour la question. Je pense que le bureau d'âge est installé au regard de la loi. Et que le CC peut exercer ma fonction au regard de la loi, je ne pense pas que pétition est dans la force de loi pour émettre le bureau d'âge, d'autant plus que tu as dit que le bureau d'âge est dans la mission bien déterminée, et surtout que vous allez spécifier par la Cour constitutionnelle, puisque tu as dit que ceux qui sont dans la démocratie, même si nous voulons changer de système, il faut essayer par des moyens démocratiques. Puisque ce qui est vrai, l'opposition à un système politique est constitutionnel. Moi, je pense que le bureau d'âge, pour la Cour. Calmer la lanterne publique, il fallait qu'il se focalise la matière où ils allaient dans la procuratif ni direct. Puisque tous les débuts à la législature, les députés ont déjà été identifiés, le règlement a déjà été voté, ce qui reste à ces bureaux, puisqu'il faut que les gens aient un cas particulier pour constituer la jurisprudence, peut-être que dans la législature, il y a un cas où ça la matière, on a connu qu'il est cas caméré. Alors, le lot où je pense que bureau. Vous êtes allé à revoir la disposition interne constitutionnel, réglementaire, pour que ça va bien, on se trouve dans la aussi. Non, moi, à mon avis, en tant que légaliste, je pense que le bureau d'âge a se limité dans l'installation, il y a un bureau définitif. Puisque, au moins, il y a une matière, mon professeur, c'est un bureau permanent. Bien entendu, à la compétence, il y a siéger, il y a convoquer plénière extraordinaire, mais à outrepasser, puisque c'est ça la démocratie. Ce n'est pas parce que nous sous-entendons une majorité, vous allez acquis une union sacrée pour Mbogé Kendeliboso, tout passer dans le passage à la France. Quand on la démarche, il y a un député, il y a FCC, ça veut dire que c'est une démarche politique pour bouger le bureau d'âge, ou bien c'est une démarche objective. Politiquement par rapport à la réalité de Zanamo. Matière au bureau d'âge soulevé qui est là qui contrôle le contrôle parlementaire. Bon, au regard du droit, ou bien l'ex volit dixit, ou bien l'ex nolit taquit, donc la loi n'a pas dit expressément que le bureau d'âge avait la compétence de convoquer une session extraordinaire pour un contrôle parlementaire. Je pense qu'il fallait mettre devant nous la première mission, à y mettre en place un nouveau bureau. Il faut quand même qu'il y ait ces camponnés dans le haut. FCC va zapper, va démonter. Bien entendu, il représente le mal. Mais moi, je pense que les revendications sont légitimes. Exactement. Il y a Moussala Neza d'abord, Oyo. Mais ça, il y a un côté, ok, que ça, je pense que c'est mettre les charis avant le bœuf. Donc, à fin de la guerre, comme c'est qu'on questionne à Sengi Bambassal. Au-delà de tout, des contenus, des fonds, il y a des marches, tout le monde qui est. Les 139 ou les 140 députés, ils ont quoi les tableaux de l'Assemblée nationale. Non, même pas. Oui, c'est mal échantillon. Non. Parce que tout le monde a une pétition contre Mabunda. 200 autant, depuis de 250 signatures. Mais on pouvait aussi démontrer par là, à travers pétition, on a quand même mémoire, adhésion massive. Bon, peut-être une échantillon, mais le fond de la démarche, ça va aboutir à quoi? Parce que ce n'est pas prévu. Premièrement, d'abord, nous allons sur le fond, il y a des marches à la député. Vous savez que le député Moussa Nabango est à contrôle parlementaire, Bassala Moussa Nabango conformément. Il y a constitution, il y a un beau cannabis au pays conformément, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a assemblée nationale. Oui. Oyo Ezali, conformément à la mission Nabango Ezali que. Dans le bureau où ils allaient diriger Bango. Parce que, et c'est que les tobaye qui ba député, où ils ont voté, ou bien ba tché Bango Liboso, ya ba ninga na Bango, ba collègue, na Bango, ba benga na ka, ba za supériorité, ko le kabo ba fandi. Dans le député a constaté que, où ils allaient diriger,
azali ko faire preuve il y a incompétence na gestion na ya bureau procédure ezan moko ezan reconnu na député ya ko initier pétition contre bureau ezan prérogative na ye o ba ko ki ko retirer ya ngote tant que député a constaté que o azali bosso na nga collègue président azali bosso azali ko sala mo sala lo lenge esengeli a sala te procédure ezalini na ke ne ko botole micro te procédure ezalini o loi epesinga o règlement d'ordre intérieur epesinga ezalini ya ko initier pétition mais là c'est ce qui nous donne un fonctionnement normal ya assemblée nationale. Nous sommes dans une phase topé moment ya session extraordinaire. Ils allaient présider par un bureau d'âge. Tout n'a jamais existé. On dit que les règlements intérieurs et prévoient les mécanismes de contrôle des bureaux d'âge. Partiellement, on fait quoi? Est-ce que ma députée va quitter au-delà du règlement intérieur? Je suis partiellement d'accord avec vous. Mais ce qu'on a dit, règlement d'ordre intérieur, il y a l'Assemblée nationale et l'obéli Makambo, il y a bureau. Et préciser que, je ne sais pas, mes confrères sont ici sur ce plateau, bah, au contraire, et l'obéli Makambo, il y a bureau, tu es à la définitive, ton bureau d'âge. Règlement d'ordre intérieur et l'obéli Makamouka Kaya bureau. Elles à la bureau provisoire, elles à la bureau d'âge, elles à la bureau définitif. Mais ce qui m'a constaté que bureau est allé qu'au salamoussala le lengue et seigneur, c'est-à-dire l'incompétence notoire dans les chefs de ceux qui dirigent les députés, députés à l'initiative à quoi initier mention et pétition contre chef Naye. Parce que procéder les Akakamoko et Pesameli députés pour procéder la déchéance et à bureau et allé pétition. Il y a des sacs à ce stade. Ce qui débute à constater que, eux, ils allaient co-diriger, ils allaient co-sala preuve, il y a incompétence. Tant que je suis allé à l'Assemblée nationale maintenant. Mais tu as un point. Tout le monde va président, tout le monde va bureau, c'est là, aux armes, tout le monde va président, monsieur, il y a bureau provisoire et Assemblée nationale. Eux-mêmes, mais peut-être, bon, ça pourra dénigrer, mais peut-être, dans le niveau, il y a président, bureau d'âge, et l'autre, il y a un ministre plusieurs fois, ainsi de suite. Mais on est dirigé, ça qui est compétent, au moment que Moutazo dirigeait, Bazou l'accès même qui est l'Oba Boué, c'est ça la Boué. Mais après les séances plénières, mais ils ont dirigé. Hein, c'est ça quand même une alors. Incompétence, ça ne peut pas justifier qu'il va initier parce qu'ils ont une période il y a un mois. Ndeko Jameda, et Sengeli Nabi Balani, la mission et mission Baye Bako, député Nyon Sorazali na philosophie naï, par rapport Ndenge Azali Kosala législative naï. Ce qui, le bureau précédent, et les cas, le député Mazala Kouara a constaté qu'il était incompétence dans les chefs. Il y a un peu de gens qui ont dirigé Bango. Et ce qui m'a eu, Mazala Mimitso n'a parlé, Mazali a constaté incompétence. Parce que, réseau Zalini, ce qui est incompétence, Zali, dans les chefs, il y a un peu de dirigé bureau, procédure Zali Kakamoko. Pétition contre bureau pour la déchéance d'avoir pour là-bas installer bureau moussous. Règlement, je peux prévoir, ni ceux qui bureau d'âge, est-ce que combien on a règlement que ceux qui bureau d'âge, ça l'imbéba, bah qu'on destitue, non, bah on s'en a mis en place, Yvan. Ceux qui va destituer bureau d'âge. Quand ça, je dis, j'espère que tu as dit règlement. Non, non, on a règlement de règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale. Ceux qui va destituer bureau d'âge, parce que là où la loi ne prévoit rien, il y a des jurisprudences. Oui, il faut que recourir dans vos doctrines, il faut que recourir dans vos. Nous avons qu'une seule jurisprudence, on a évoqué le cas Kamere. Ça, c'est une première. C'est une question de vous compléter. Donc, on va procéder aux alliés belés, on va faire qu'on recourir. On a pour nous capoter bureau Moussous pour conduire ces sessions extraordinaires jusqu'à l'installation du bureau définitif. La période de Kamere a démissionné qui a tiré en place à organiser semaine à cadre la période de Yamabunda a démissionné par Longoli par pétition. Or, règlement intérêt prévoir que la Kawana il faut bureau d'âge et la Moussala. Bureau d'âge et continue la Moussala. Mais va prévoir que dans le règlement intérieur, disposition ok, au cas où pendant l'exercice de l'élection, va déraper, va recolonger. Voilà, c'est quand même une chose de mettre d'accord pour moi. C'est une démarche politique ou bien juridique? C'est une démarche politique. Non, c'est pas simplement une démarche politique. Donc, on a anglais. C'est la fondement juridique que vous parlez maintenant. Non, non, fondement juridique dans vos alliés. Fondement juridique dans vos alliés. Parce que, règlement d'ordre intérieur et lobby boyer. Que ce qui m'a constaté, député, parce que initiative, il y a pétition, les alliés, à famille politique, sont volontés, et mes alliés, initiative, il y a député. Néboï, nos alliés, il y a initiative. Il y a pour destituer le bureau Mabunda, il y a une initiative, il y a pour initier pétition déjà récolté 140
signature, il y a pas député. Conformément, il y a règlement. Merci, merci beaucoup. Institution Bureau Mabunda, l'initiateur, il y a pétition pour les Maembo, hein, député à Isangi. Alors, on est au Bazin Pembe. Bonjour, mon démarche à Mondéli. L'érodage, c'est ça. La balotage. Qu'est-ce qui va arriver finalement? Et c'est à minimiser la démarche. Il y a 140 députés FCC. Ou c'est qu'on vous prend un mot sur lui. De quoi jamais d'un n'a qu'on répond de questions où on a pas volé mi balai. On a beaucoup de volets juridiques. La volée juridique, je vais me référer à la Cour constitutionnelle au EPSAGI bureau d'âge où ils allaient en mandat pour n'abat continuer misala na bango. Et je vais aussi me baser sur les règlements d'ordre intérieur et l'Assemblée nationale. Tout à fait, allez-y rapidement. Parce qu'on doit recourir à la loi. Mmh. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à la pétition et au bureau d'âge? Est-ce que la loi a autorisé à ce qu'il y ait une pétition contre les bureaux d'âge? La lobby, non. La loi n'a pas dit. La loi est muette. N'est-ce que tu l'as quand assis? Mais lorsque la loi est muette, il faut se référer aux jurisprudences. Jurisprudence ni les lots aux nango autour qui se référer nango. Il va créer ce quoi donc on le dit. Il va créer ce quoi. Donc Malini va créer un président pour que Tika là pour exister. Tu as posé la question importante à maître Fabrice. Est-ce que on ne peut pas se référer dans le lot qu'on est la mission boyer? Et puis ça dit son maïen, et puis ça va débiter au Bazaliwana. Maïen, les ponts n'ont pas été comment pour élargir les règlements d'ordre intérieur dans Bango. Que tant qu'on te coma dans Baka, et c'est que les règlements d'ordre intérieur et prévoir les amours. Parce que la loi n'a pas prévu. Pourquoi vous voulez créer la loi? Vous voulez créer l'eau, vous allez arrêter pour aller. Fondement juridique, n'a pas été allé, nini. C'est ça le problème. Il n'y a pas de référer ici qu'à Kamere, jamais dans la paix, ni sur l'élément beaucoup partant par rapport à qu'à Kamere. Kamere a démissionné, mais Biro Mabunda, Babéani, Babola, Longolié, il y a un bureau d'âge et tient mis en place. Et le bureau d'âge, conformément à règlement d'ordre intérieur et l'Assemblée nationale, c'est là une mission. C'est pour installer le bureau définitif. Et la Cour constitutionnelle a joindre Bango la mission de Soso. C'est l'ordre d'habilité. Il y a des Bangoudes. Pour ne pas avaliser comme un règlement de l'intérieur et de Bango. Pourquoi aujourd'hui créer un président? Il y a un problème, volet politique dans ce côté. Bazo Linga va étouffer Moussa Layaba député. J'aurais appris que la primature est derrière cette histoire. Parce qu'il nous cambaye, mais que non, Bazo Linga va bénanaye. Ah, il n'a pas la petite porte, il faut instrumentaliser les députés, donner les députés les moyens pour étouffer le bureau et Yamboso. Mais Mobeko, la loi n'a rien prévu et pour les cater ne peut jamais d'art. N'aie dit ça bango. La pétition, pétition. Oui, si vous voulez faire l'opposition, allez-y à l'opposition, faites une opposition républicaine correctement. Attendez que les bureaux d'âge allaient installer, vous allez exercer le moyen de la prérogative. Au-delà de tout, il y a l'opposition. Au-delà des marches, il y a fond, il y a forme. 140 députés, ils ont fait sa bureau idée. Dans tout le monde, on trouve que désormais, ce sont peut-être. Oyo, t'as un national FCC à moi, tu as l'Assemblée nationale. Ne faut jamais d'art, moi je suis pour. On aurait cru que peut-être pour une telle initiative, parce qu'il était à 250. Je suis. Que ça signale mon fort. Je suis politique, dans la carte de la pétition, on a 243 d'abord, il y a un revoir. 140, mais là, ça, 139, mais pas 140. Oui, sur le monde, dans la carte, il y a même des ratures. Certains ont barré, ils ont compris que c'est une erreur. Et moi, j'aurais aussi appris, je n'amène pas une fausse information à la télévision. Il y a certains, dans la signature, ils ont la carte, ils n'ont pas signé. Moi je te donne l'information, non. Je te donne l'information. Après, je vais prendre la carte, mon numéro, la banque, le téléphone, la carte. Ma Nicolas, il y a un peu de jamais d'art. Mais pas la Coloma. 143 ou 139 fois, on comprend que c'est un noyau déjà qui se constitue pour l'opposition. Et c'est une démarche non correcte. Bah, il y a contre l'opposition, bureau d'âge, ils allaient installer. Bah, pour exercer ma prérogative, la banque, bureau définitif. Tant au bureau définitif, et que vous allez installer. Mais bah, il y a créé un précédent, et ça ne passera pas. Merci. Et pour les cater, ne faut jamais d'art. Mais. Ne faut pas derrière cette histoire, là, c'est la primature. Mais. Derrière cette histoire, pour envoyer des bambous, et pour les cater, tout le monde va nous déjà. Maître Fabrice Pellet, est-ce que, comme mission principale, le bureau d'âge, les gens qui ne courent pas, qui va vider ma comité de pétition, c'est sûr parlementaire. Nous avons rappelé, les pétitions ont fait partie de la contrôle parlementaire, parce qu'ils ont une initiative parlementaire pour nous faire la contrôle, la haute gestion, etc., etc. Alors, mission principale, les gens qui ont une élection et installation et bureau. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas, baser la nano, sur la celle-ci, élection et installation de bureau,
et que au-delà il y a tâche ou alors il va contre alors monsieur Sundé a fait mal à ça la initiative. Mais je pense qu'il y a moins de le bénévole. Le bureau du proviseur est installé au regard de la loi et au long au regard de la loi. Puisque c'est au côté de la logique, ceux qui le lot aux pétitions aboutir, supposons, contre le bureau provisoire. Mais on fera toujours référence à la même loi où ils ont signé le bureau d'âge. Et vous aurez la même personne. Pour le plus âgé, ils ont bossé. Le moins âgé, ils ont battu un balai. Le mécanisme, il y a droit. Il y a un moment où il y a un distingue, non distingue, et des bémous. Ne distinguons pas net, mettre à l'obi. Il y a le silence total de la loi. Alors, il faut se référer au texte qui existe. C'est-à-dire, dans la loi qui est bureau provisoire, et ça, là, nous avons objectif au cours continuer la lobby. Clôturer la session et ensuite installer un bureau définitif. Ce qui va dans la besoin de pétition à Bango, peu importe, bas à la raison du fait que Batieli Bango maintient à l'ordre des jours prévu dans le règlement d'ordre d'intérieur. Mais d'abord, il faut tout que nous en phase d'installation, il y a un nouveau bureau merci définitif. Je pense que les habitants, ils ont lié dans l'hémicycle à Moubimba. C'est que je sais, mais vraiment, ils ont une démarche oui, politique, ils ont le droit à faire la démarche politique dans Bango, ou parlementaire. Mais connaissant la réalité tableau et l'Assemblée nationale, pour le moment, je doute un peu fort qu'il y ait une initiative de Goléka. Il faut un fondement juridique et réglementaire. Pour les cas, il faut un policier bailleur, le ministère intérieur, le gouvernement, pour agir pour la sécurité. Ce qui est monique, il y a un règlement intérieur. Et la loi qui le vote, le bureau d'âge. Vous assumez l'intérim. Vous êtes la disposition, monsieur les adhérents. Peut-être mettre Jeff en disposition. Disposition. Disposition est allée. La constitution. La constitution est disposition est allée. Pourtant, aussi pour la constitution, puis le magistrat, c'est pour ça. La constitution, article, règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale et lobby bouillé. Que ceux qui députés, parce que outre que le bango, auditeur, ils allaient mission parlementaire, contrôle parlementaire, il y a député. Ils ont prérogative naïe. Ils ont droit naïe. Il y a pour initier pétition. Beaucoup ça. Parce que la pétition. Attends, droit à initier pétition. La pétition. Dans un bureau. Droit à initier tout ce qui peut faire le mécanisme parlementaire. Quitte à l'Assemblée au bureau pour avoir la faisabilité, conformité en gros, par rapport à la loi interne. Donc, le règlement intérieur, la constitution. Règlement d'ordre intérieur et prévoir pétition. Mais l'obélité que pétition en a, et ça, la circonstance, ni n'a moment ni il faut pétitionner salamment. Règlement, quoi, mais ça, c'est tout le temps, ma juriste. Tout le temps, il y a jamais d'un. Mais c'est tout le temps, règlement d'ordre intérieur. Naïbi Kozali, journaliste attaché au Parlement. Ce qu'on a dit, règlement d'ordre intérieur et l'Assemblée nationale, et l'omité moumanini, pétition, il faut les la initier. Tout à fait. Ok, là vous êtes d'accord avec moi. Et ça prévient la loi. Mais loi et l'omité, règlement d'ordre intérieur et l'omité boué. Ce qui m'a constaté incompétence dans le chef, il y a bureau. Et ça, le bureau, c'est le bureau définitif, c'est le bureau d'âge, c'est le bureau provisoire. Selon moi, on va saisir la Cour constitutionnelle. Non, qui va saisir ça? La logique, on a dit, c'est compétent pour engager l'Assemblée nationale. Mais là, on a ressaisi ce qu'on la Constitution prévoit le mécanisme pour l'interprétation de la Constitution des règlements. Donc, merci beaucoup. Les députés sont là pour initier aussi la saisie de la Constitution. Merci beaucoup. Ce n'est pas contradictoire. Merci beaucoup. Parce que tant on va le dire que Netika Bambo.
Boso et Kozamande. Tozawa coupe article 78 de la Constitution. Ton monnaie va nommer informateur en plein législatif. Ah bon? Donc, et quand ça a pris une il n'y a pas de rapport, mon frère. Tu n'as même pas répondu à la question. À la fois, bonjour, Kabisoute, dans la salle. Chers amis, s'il vous plaît. Excusez, mais on n'a pas tout le temps. Il faut bien appeler. Il faut bien appeler. Ça fait contribution. Il faut conclure après. Pardon, s'il vous plaît. 082-33-33-749. Faisons le numéro standard. Nabisso. On appelle ça le numéro. Nous sommes souvent à 081-177-0262. Donc 177-0262. Pour la bande de Nabisso, il va nous envoyer uniquement na WhatsApp. J'espère que je suis en connexion pour permettre pour voir bien que ça m'a canisté. Bon, on va à numéro et Bosso. Appel à Bosso. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, papa, on va bien que comment on a une contribution à lui. Oui, allô. Oui. Allô. Toujours là, on va bien que comment on a une contribution à lui. Oui, comme on a eu le monsieur Daniel. Oui, monsieur Daniel. Oui, mais là, le gars va apporter la bâtiment d'âge. Moi, je trouve que le bureau d'âge va être retourné. Je trouve qu'on peut toujours recourir la deuxième personne la plus âgée. Par exemple, nous, sur le bureau d'âge, la personne la plus âgée. Merci beaucoup pour la contribution à débat démocratique, tout ça, tu vois, dans la prochaine séance plénière, on va expliquer plus qu'est-ce qui va se passer. Je crois que le débat est allé engager certainement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Médard Lyonso, ma petite Benambo, Panastition Bote. Oui. Également, le futur, Raphaël Amatongi. Nico Raphaël, oui. Monique, bureau d'âge, par la Bichou, il y a quoi ça, la installation bureau définitif. Parce que il n'y aura pas un autre bureau d'âge par rapport à l'exposition au règlement intérieur en 400 millions. Soit vous regardez dans le monde de Soubassouni, ou bien une démarche n'a pas. Donc c'est pour dire que ceux qui te gagnent la démarche, il ne faut aboutir à rien. Parce que dans la mission co-cautionnelle, la carte qui a la démarche n'a pas. Ma pétition T. Ceux qui, eux, se faisaient, c'est que vous allez combattre pétition contre Irwinukam. Mais comment est-ce que vous allez faire la pétition contre Virudage pour dire que Bazan, c'est même pour créer les troubles. Mais là, c'est là que Bazan, qui n'a pas de mabé, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il peut toujours créer des troubles. Parce que vous dit que ceux qui Virudage vendent à cette élection, Virudage définitif, c'est vraiment un cas. Tout le massacre les pillés en Mboka au Kangam. Bien là, je parie. Dans le massacre, vous prenez toujours Bambou, tout le temps en Mboka. Merci beaucoup, Ndeko Raphaël. Topé Sanouzela, Ramadi Kmoussoupi Baloba. 082-33-33-749. Topé 081-177-0262. Pour la bande de Ouazoubi, allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, papa, au bal. Oui, c'est pas au bal. Oui. Oui. Continue. La chose là, la politicienne, parce que la nous dit qu'à la politique. Bah, le dit à la clé, mon bon cannabis, le premier mot dans le cas là, il est même pour ta déquibition. Attends, je vais voter la politicienne, parce que je vais voter la haut. La même, je vais voter la politicienne. Merci. Mais toi, il a la bonne idée de la salle. Merci. Moi, je suis la campagne. Là, même la campagne, si tu veux, on est la campagne. Merci
si papa au bal au moins 21 millions hein, de Congolais ils ont souffri dans la macamutali qui nous a là dans le cannabis statistique il y a l'organisme il y a ONI Bapesi. Alors 082 33 33 749 tous vous appelle nous rapidement. Allô, bonjour. Bonjour, Régen, ma mère est quelqu'un de Corrigan, oui, oui, la réponse est. Na lobi premièrement pour la marambouya chantine lobi la pour la permettre à Zande. Bon, na comme il y a un des maîtres basins le lendemain au Lobadia au côté de la chantine. Bon, c'est bon, pourquoi il y a une union sacrée, mais chantine, nous on dirige pas. Et nous on a besoin qu'il y a finissement à Zande. Oui, on a aussi la rentrée de samedi soir, puis dimanche, na, mais on a beaucoup comme ça lundi, ma maman va s'engager, les gens vont limiter, ma maman on a besoin d'une douane. Vraiment. Bah tu vas pas voir ma famille, ma maman on a besoin d'une douane. Bah ça lui a marché secondaire. Il a marché secondaire. Il est là. Bon, et on dit déjà la prérogative comme député, mais constitution là, la loi est permise à ma maman qui va pas destituer bureau d'âge. Si au cas où bureau d'âge a été constitution qui n'a pas valu de règlement intérieur n'a pas mot. Constitution peut voir ni ni tout n'a pas mot. Donc il y a un maintien de base à mes limbo et à bisou. Je crois que vous notez ma question, hein. Donc vous notez question pour permettre à répondre. Toujours appel Yelibanda Mboka, Moko Yelibanda Mboka. Allô? 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 Alors, toujours la première connexion. On ne saura pas qu'on vous appelle Mbana Mboka. Allô, bonjour. Bonjour Jumel, au lieu de nous balancer toujours les émissions pour Ralique 96.8 MHz, la fréquence de la liberté. Croyais-tu tromper le peuple encore plus longtemps? Bien quand même. Le voici dressé devant toi comme un seul homme. Tiamatou Yoga. On est fatigué quoi? Retrouvez votre ça peut sembler comme un lointain souvenir. Mais hier encore, nous faisions vibrer le stade au rythme de notre passion. Nous étions les témoins des choix qui nous ont conduits vers la victoire. Et des moments qui à jamais ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, le monde s'est